On accompagne ici les personnes dans des démarches d'accès de première nécessité et dans tout ce qui est accueil dans la bienveillance. On a un accueil inconditionnel ici. On va proposer des services d'accueil dans le petit déjeuner, dans l'hygiène et dans l'écoute aussi. Et au niveau des personnes, en ce moment, on est à peu près à 150 personnes par matinée, entre 7h et 11h30. Voilà, on accueille 150 personnes par jour, à peu près. Là, on va faire en sorte de savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Si la personne n'est suivie nulle part ailleurs, a de grandes difficultés et tout, on va faire les démarches qu'il faut. Si la personne a déjà un travail social qui le suit déjà ou j'accompagne par notre structure, là, on va faire en sorte de faire le lien, de réorienter, de prendre un rendez-vous avec la personne pour qu'elle puisse suivre son parcours d'elle-même, en fait, avec les bonnes personnes. Et ensuite, pour les démarches qu'on fait, généralement, la matinée, on se consacre sur des petites démarches courtes. Par exemple, un pointage CAF, vérifier les mails, faire une demande sur un milieu de carte vitale, des petites démarches qui vont prendre 15 ou 30 minutes, ou justement faire l'accueil des nouvelles personnes qui vont arriver pour leur expliquer comment ça fonctionne la boutique, comment ça fonctionne le système d'aide à la Réunion sur Saint-Denis. Et ensuite, pour des personnes qui ont des démarches un peu plus longues, comme par exemple une demande de logement social, une demande de DALO pour le droit au logement opposable, pour avoir accès à un logement à soi, là, ce sont des démarches pour lesquelles on va donner des rendez-vous en après-midi, parce que c'est des démarches qui vont prendre plus de temps, qui vont plutôt nous prendre une heure en général.